Et salut tout le monde, c'est Chib et on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur Modern Warfare 2. Je suis encore en compagnie de mon ami 340 Rémi. J'espère que tu vas bien une fois de plus. Ça va bien et toi? Ça va aussi. J'espère que vous aussi, mes abonnés et les viewers de vidéos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire. Je suis sur MW2, bien évidemment. Je sais même pas si je l'ai précisé en début de vidéo. On va faire une brève partie sur quelle map alors? Quelle map? La plus petite, c'est Rust, il me semble. On va prendre celle-là. Ah, j'ai mal au genou. Comme ça, on se fait pas chier. En mêlée générale, je vais mettre 10 minutes avec 1000 points. C'est assez rapide. Enfin, je l'espère. Voilà, on est Oui. santé. On joue au sniper. Minuscule, ouais, Allez, on vas-y, joue au vas-y. sniper. Je mets en santé minuscule. Xbox Live, si je mets en Xbox Live. Ah ouais, t'es niveau 30. T'es niveau 30? Ah ouais. Ouais. Niveau 60, prestige 4 ou 5, je ne sais plus. Je laisse comme ça. Bah, tu m'en voudras pas. À moins que tu préfères Non, que je mette. non, c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon comme ça, d'accord. Après, niveau classe sniper, j'ai quoi? J'ai ça, ça. Ouais, ok, j'ai deux classes de sniper comparé au multi où j'en ai trois. J'ai des classes un peu de ouf. Ok, y compris celle-là. Et après en bonus de série d'élimination, ouais, j'y suis allé un peu fort quand même. Je vais enlever ça et je vais mettre drone. Allez, comme ça au moins, je t'ennuie, je t'emmerde pas. Voilà, je mets ça. Allez, on commence la partie tout de suite pour pas perdre de temps. C'est parti. Ouais, alors, on a pris un petit remontant parce que là, entre Call of Duty de Modern Warfare 2 et la suite qui va suivre, on a besoin de voir un petit coup. On a trop parlé. Voilà. Allez, c'est parti. Assignation automatique. Je te laisse prendre. Oula, mais oh non, j'ai le barrette. Oh là là. Je crois que j'aurais dû prendre Xbox Live. C'est quoi ces classes de merde? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre. Merde. Ah ouais, c'est personnel. Attends. Oh. Je me suis trompé d'arme. Oh merde. Hop Oh là. non, j'aurais pas dû changer. Voilà. Ce n'est pas grave. T'es dans la même équipe que moi? Sensibilité. J'avais personnalisé, je l'ai plus. Bah merde, j'ai une sensibilité de merde moi. Wouh! Ça change de. Ah ouais, ça Oh, change entièrement. l'oignoscope. Ça change Trop entièrement lui. de. Vraiment le barrette, c'est là. Ça change totalement de Call of Duty 2, franchement. Oh non, j'aurais pas dû changer la Déjà niveau sensibilité. graphique. Oh non. Ouais, t'aurais pas dû. Déjà niveau graphisme, c'est plus ça du tout. C'est Alors. impossible. Hop C'est là. impossible. Flash ou quick, j'en sais rien. C'est Hop là, quoi, drone. Je peux pas. Tu ne peux pas quoi? Impossible. Je peux même pas tourner la vue. T'as mis quoi? Et j'étais personnalisé, j'ai mis des. Hop là. Pourquoi j'ai mis le Predator, Je putain? me fais sécher Sur la place. moule. Alors déjà niveau graphisme, attends mais tu peux en attendant comme ça au moins tu me buteras après si t'en as envie. Ah oui c'est quoi déjà pour proposer? Ah oui donc comme j'en ai parlé sur la vidéo, tu peux me buter maintenant si tu veux. Voilà. Comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente une fois de plus, donc la vidéo de Modern Warfare 2 où je suis tout seul en multi, je parlais des séries d'élimination et surtout le missile Predator qui change comparé à BO2 qui lui c'est missile Hellstorm. Donc dans VO2 le missile Hellstorm on peut le déployer donc pour qu'il y ait 5 petits missiles qui est téléguidés, enfin auto-téléguidés qui aillent vers l'ennemi. C'est le combat pour tourner. Pardon, excuse-moi. Alors que c'est pas grave. Alors que sur Modern Warfare 2, le missile Predator lui est totalement différent. Il y a le bouton, donc la gâchette RT, donc pour qui donc sert à propulser, sert, oh putain, à propulser le missile. Je sais pas s'il y a un bouton propulsé sur Black Ops 2, ça je me souviens absolument pas, je suis désolé. Hop là, je vais tenter un petit truc, Pour merde. l'oignoscope. Ah, t'es en série au moins. Je vais tenter de faire un petit 3-6 ou un Titanic, allez. Pour rire, t'es où? Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, Titanic c'est lorsque l'on tire, on lance direct automatiquement juste après le couteau de lancer et ça va donner ceci. Normalement, c'est pas censé faire de bruit,
Donc lorsque l'on tire, donc lorsque l'ennemi va recevoir la balle sur lui. Putain, j'ai vachement du mal. Je sais pas toi. Alors, sinon, il y avait la map. Attends, je la mets là-bas. Vas-y, contre le mur. Il y avait la map terminale, donc qui elle a été mise sur Modern Warfare 3. C'est la map de l'avion. Et il y a un bug, donc pour sortir de la map. C'est un excellent bug. On peut sortir de la map. On essaiera de le faire tout à l'heure. Sur MW3, je sais pas s'il y a ce bug. Voilà, donc ça c'est un Titanic. Donc on peut voir que la caméra. C'est pas grave, la caméra penche sur le côté. C'est ce qu'on appelle un Titanic. Attends. Hop là. Donc là, Desert Eagle plutôt tactique. On va aller toucher la montagne. Voilà. Le rocher, l'île. J'ai essayé de faire un wallbang. Wallbang Titanic. Même pas. Là c'est un Titanic donc. Nous allons ramener ça. Je pense, hein, je suis absolument pas sûr. Ouais, hop là. Tout à fait. Un beau Titanic. Donc normalement lorsque l'on fait un Titanic comme je vous l'ai dit juste avant, je me répète un petit peu, je suis absolument désolé. Ce n'est pas censé faire de bruit. Mais alors pour être silencieux, ça fait même pas un petit bruit. Ce que j'appelle mitrailler. Ouais, faut que je prenne ton arme. Alors je dis big up à un pote à moi qui s'appelle Nightmare, qui est un fou de sniper sur MW2. On pourrait croire qu'il fait du deserto sur MW2. Je sais même pas si ça existe, mais oh ouais, je pense que ça existe. Mais c'est vraiment un malade. Donc big up à toi. Big up aussi à Elven Terror qui m'a, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, filé son HD PVR pour une occasion. C'était vraiment tentant. L'HD PVR pas cher. Peu cher. Non. Non non non. Tricheur. Je vais prendre ton barrette. Ouh. C'est con, t'auras un barrette. Si t'essaies de récupérer ton arme. Alors je sais que t'es pas loin puisqu'il y a brouillage comme atout. Hop là. Donc comparé à Call of Duty 2, dessus il y a des atouts. Il y a des séries d'illumination. Et on peut personnaliser nos classes. Donc ouais. Ce qui n'était pas le cas dans le Call of Duty 2. Niveau graphique, voilà. Ouais, niveau graphisme, c'est totalement ça. On peut, voilà. On y voit un peu mieux. Je sais pas si toi c'est pareil. Mais moi j'y vois mieux, mais beaucoup mieux. Bon, bah, je sais pas où est-ce qu'il est mon couteau. Allez. Ouh. Mange ça. Allez, boscope. Bam. Bam. Et bam. Et boum. Et bam. Et boum. Et bam. Boum. Bibala boum. Ping. C'est de la musique avec ma bouche. Attends, vas-y, attends. Regardez le fumigène ici. Il dure. Comparé à Call of Duty 2, le fumigène prend beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus rapidement. Mais par contre, il dure beaucoup moins longtemps. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hop là. Non, t'es sérieux là? Tu me gâches la vue. Donc là, il s'est estompé au bout de 10 secondes, il me semble, un peu moins ou un peu plus. Et franchement, c'est pas top. Parce que c'est bien un fumigène qui dure. C'est comme si on vous achetait un fumigène dans le commerce et que vous fassiez exploser dans la rue. Tout ça pour faire chier les passants, les voitures, etc. C'est pas bien, je vous déconseille de le faire. Mais c'est marrant. je suis un bâtard quand même, hein, parce que c'est vraiment pas bien. Où es-tu? Ouais, c'est assez rigolo. Oui, c'est rigolo. Oh. Flash de loin. C'est assez rigolo, mais c'est pas bien. Voilà. Bon, je t'ai piqué avec ton barrette, j'étais un peu humilié. Toutes mes excuses. Il faudrait déjà que j'arrive à bouger. C'est compliqué, je sais. Bien joué. Bon, franchement, je m'amuse un peu plus sur MW2 que sur Call of Duty 2. Oui, c'est sûr. Parce que sur Call of Duty 2, on ne peut absolument pas courir, il me semble. Tout à l'heure, avec Rémi, on a essayé d'appuyer sur la gâchette. Non, pas la gâchette, sur le joystick pour courir, hein, donc comme sur tous les Call of. Et là, bah, si tu bouges, je peux même pas tourner. Je peux même pas tourner. Ouais. Wouh. Et là, ben, c'était impossibilité de courir. C'est un peu chiant. Oh, pardon, je fais le bat. Par derrière, Harlem check. Non, je vois. Hop là, en parlant d'Harlem check, j'ai fait un Harlem check avec Cinema 4D il y a 2 semaines de cela. Ah ben, c'était le killcam de fin. Voilà. Et franchement, il est assez marrant comme Harlem check.
C'est pas ouais, courant. Vraiment bien. C'est pas courant qu'on voit des Harlem Shake sur informatique, en graphisme. C'était un quick scope en tant que killcam de fin. Je viens de bouger de ma chaise, donc désolé, ça fait du bruit. Rémi aussi, ça, c'est un peu quick, quick, quick. On est dans le lit là. Non, je plaisante. Non, t'as non. Pris 3 niveaux, bien joué. Ouais, mais ça va. 2 niveaux, pardon, t'étais 2 niveaux. Donc j'espère que cette petite vidéo qui aura duré moins longtemps que la première sur Call of Duty 2, la première qui a duré 17 minutes, celle-là 10 minutes, c'est bien plus rapide. J'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, ça fait super plaisir de vous en faire une. Ouais, on espère aussi qu'elle vous a plu. T'as dit quoi? Ouais. Voilà, on vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Déjà meilleur graphiquement que l'autre. Le bon visionnage, fallait le dire au début alors. Vu que c'est la fin. Oui, mais voilà. C'est pas grave. Je mettrai le lien de ta chaîne dans la description pour la peine. Ouais, voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je mettrai la chaîne de Rémi dans la description pour que vous allez vous abonner à merci la sienne. Kib. C'est un food remix. Alors, si vous aimez les remix de Artek, n'hésitez pas. Dubstep, Artek, électro, trans. Trans, ouais, on est en trans. Voilà. Allez, écoutez. Allez. Ce serait ciao tout le monde. Ciao, ciao. À la prochaine.